Bonsoir Facebook, live, Marie-Christine Eustache. Un peu plus tard que d'habitude, bah ouais, on n'a pas vu passer l'heure en fait cet après-midi, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc je laisse Facebook vous notifier que je suis en direct si vous souhaitez venir en profiter. N'hésitez pas à me faire un coucou si vous passez, à mettre hashtag replay si vous regardez en replay. Voilà, donc week-end. Et donc, pourquoi on n'a pas vu l'heure passer aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que la période d'été, c'est ce que je vous mets, saison des rêves ouvertes. C'est la période où notre énergie monte. Elle va être la plus haute au 21 juin. Et donc, c'est le moment où, après le printemps, on a eu beaucoup d'énergie qui est en train de monter. Et on a des idées, des envies, des rêves. Coucou, je vois un petit œil qui arrive. Bonsoir, bienvenue. Et donc on a souvent, pas tout, bon, ça dépend des personnes, mais moi je vois c'était très très fort hier matin et ce matin, à fond au niveau des envies, des rêves, de choses qu'on a envie de réaliser. Et donc dans ce domaine-là, mon chéri, ayant aussi des envies, des rêves, on est allé essayer la moto d'un de ses amis cet après-midi pour voir éventuellement changer de monture. Et donc on a pu faire un test. Bon, pas super concluant pour moi parce que le confort était pas top au niveau de la passagère. Mais voilà, une conduite plus agréable pour lui. Voilà, bon après. Il est possible d'aménager les choses et le principal, c'est de pouvoir aller essayer d'autres motos en partant sur quelque chose de clair. Et donc quand on a des rêves comme ça, quand on a des envies que l'on souhaite réaliser, et la maison où on est ici, eh bien justement, c'en était un, on pose les choses clairement de ce que l'on veut. Et c'est un parcours que je propose aux personnes que j'accompagne, justement, de poser des fois clairement leurs rêves. Ok, c'est quoi exactement comme rêve? C'est quoi comme type de maison? Il y a combien de chambres? Elle est dans quel environnement? qu'est-ce qu'il y a autour? Etc. etc. Et donc, quand on pose les choses clairement, bah, l'univers les envoie de façon beaucoup plus facile. Et du coup, on peut les réaliser. Et donc, c'est ça qui est sympa. Et donc là, pour la moto, justement, ce que j'ai dit à mon chéri, je dis, bon, on va poser clairement quels sont les points que l'on souhaite pour avoir la bonne proposition de l'univers pour une nouvelle moto. Voilà. Et vous, alors, quels sont vos rêves? Est-ce que vous arrivez à les mettre en place facilement? Est-ce que vous êtes... Vous arrivez facilement en fait à clarifier précisément ce que vous voulez ou pas, et est-ce que du coup vous les avez? Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert ce fonctionnement il y a maintenant plusieurs années. Si je suis à Sainte-Luce, c'est justement parce que j'avais mis ça dans mes rêves, et donc ça s'est réalisé. Et il y a plein 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 de choses comme ça que j'ai pu réaliser depuis quelques années, et c'est ça qui est génial. Parce qu'on commence des fois par des toutes petites choses pour être sûr de voir ce que ça fonctionne bien, parce que c'est un truc un peu bizarre quand même, hein, de poser ses rêves clairement et puis de demander à l'univers que ça vienne. Et ben, quand on apprend à le faire, au début on fait des petites choses, puis on se rend compte que ça fonctionne, donc on fait des choses un peu plus grandes, un peu plus ambitieuses, et puis qu'est-ce qui est sympa, c'est de voir qu'il y a des choses qui se réalise au-delà de ce que l'on avait rêvé, au-delà de ce que l'on avait imaginé. Et ça aussi, c'est des choses que j'ai pu vivre et que vous pouvez vivre vous aussi, parce que voilà, si je vous partage ces choses-là en live, c'est que à votre tour, vous puissiez mettre ça en œuvre, vous puissiez les déclencher, les poser clairement avec les enfants, avec votre partenaire de vie. Que ce soit pour la vie perso, que ce soit pour la vie professionnelle, j'ai fait pareil, d'accord? Pour le job salarié que j'ai clairement, j'avais clairement mis les choses noir sur blanc de ce que je voulais. Et j'ai eu ce que je voulais. Voilà, donc des fois ça demande un petit peu de temps, parce que on n'est pas toujours très clair sur ce qu'on veut au départ. Et moi en ce moment c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que j'en profite d'avoir ces montées d'énergie et d'avoir envie de rêver, comme ça je note au fur et à mesure.
Et puis après, je vais faire le tri de ce qui me fait vraiment plaisir, de ce qui est vraiment fun pour moi, et puis de ce qui l'est un petit peu moins, bah ça du coup, on va les mettre de côté. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée avec mon chéri ce soir, c'est Échappée Belle. Je ne sais pas si vous aimez cette émission, notre petit temps de voyage à distance par la télé. On regarde très rarement la télé, mais voilà, le samedi soir, et comme ça fait plusieurs soirs, plusieurs week-ends où on n'était pas là, on était en week-end, on était en sortie et il y avait des choses, et donc on ne l'a pas regardé. Donc là, ce soir, ça va être un plaisir de regarder à nouveau cette très jolie émission. Sur ce, bonne soirée à vous tous et toutes qui regardez en live ou en replay. À bientôt, à demain soir en tout cas pour la suite.